Le propriétaire d'un restaurant souhaite en savoir plus sur les zones d'où viennent ses clients. Il décide d'enquêter sur la distance parcourue par sa clientèle pour venir à son restaurant. Les données recueillies sont les suivantes. Alors on a toutes ces nombres-là, en fait ça, ça doit être des kilomètres, hein. j'imagine, ce n'est pas des mètres, c'est plutôt des kilomètres qui représentent la distance euh, que chaque personne interrogée euh, parcourt pour aller à son restaurant. Alors, il veut ensuite faire un schéma qui l'aidera à comprendre la dispersion des distances. La dispersion des distances. Alors, ça c'est vraiment le mot-clé hein, qui est important. Et la distance médiane. La distance médiane, donc ça, on sait ce que ça veut dire, mais le mot de dispersion est vraiment un mot-clé important ici. Hein. Quel type de diagramme devrait-il tracer Bon, bah, cette réponse-là, elle est assez claire. Hein. Évidemment, il doit tracer un diagramme en boîte à moustache. Bon, là, on ne va pas se satisfaire de cette réponse, on va, on va essayer de le tracer, ce diagramme. Alors, déjà, on va commencer par euh, déterminer la médiane de cette série. Alors donc je vais commencer par chercher la plus petite de ces valeurs. Donc 14, 6, 3, 2, 4, 1. Alors là, là il y a ce 1. Donc ce 1, c'est la plus petite donnée. Voilà. Ensuite, le, on avait vu qu'il y avait un 2. Donc est-ce qu'il y a un autre 2 Oui, il y a 2, 2. Donc je vais les mettre comme ça. 2, 2. Ensuite, il y a un 3. Il n'y a pas d'autre 2. Non. Il y a un 3. Est-ce qu'il y a un autre 3 Oui, il y a un autre 3 ici. Donc on va avoir un 3. Et puis un 3. Ensuite, 14, 6. Alors il y a ce 4 qui est là. Est-ce qu'il y a un autre 4 Oui, il y a un autre 4 là. Donc je vais avoir un 4. Un 4. Ensuite, il n'y a pas de 5. Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de 5. Donc il y a. Après, c'est un 6. Il y a un 6 ici. Il n'y a pas d'autre 6, je crois. Non. Ensuite, est-ce qu'il y a un 7 Oui, il y a un 7 là. Donc il y a un 7. Il y a un seul 7, je pense, oui. Il y a un 8. Donc après, on a un 8. Est-ce qu'il y a un 9 Non, il n'y a pas de 9. Alors après, il y a un 10 par contre. Alors ça, je le barre. Un 10. Il y a un 11. Oui, il y en a un là. 11. Est-ce qu'il y a un 12 Il n'y a pas de 12. Il n'y a pas de 13 non plus. Par contre, il y a un 14. 14. Il y a un 15. 15, est-ce qu'il y a un 16 Non, il n'y a pas de 16. Après... Ah, par contre, il y a ce 1 là que j'avais oublié. Il y a un 1 que j'ai pas barré. il y avait un 1 ici, donc il y avait deux 1. Donc je vais le rajouter là. Heureusement que ce n'est pas une valeur du milieu, ça aurait été plus compliqué à réécrire. Alors, ensuite, je, donc ce 1 je le barre. Ensuite, j'ai un 20 et puis un 22. Donc j'ai 20 et 22. Alors... Maintenant, pour, pour, des, pour trouver la médiane de cette série de données, maintenant ce qu'il faut faire, bon, la médiane, c'est la valeur qui va partager les données en deux, en deux ensembles de même nombre, hein, de même cardinal. C'est-à-dire qu'il va y avoir autant de données avant la médiane, plus petites que la médiane, et que de données plus grandes que la médiane. Alors, je vais commencer par, déta, par compter combien il y a de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 valeurs. Donc la médiane, elle va partager. Il va y avoir 8 valeurs plus petites que la médiane et 8 valeurs plus grandes que la médiane. Donc je vais compter 8 valeurs à partir de la plus petite. Et ensuite, la neuvième, ça sera la médiane. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc ici, on a 8. Donc le 6 qui est là... Ça, c'est la médiane. Normalement, si j'ai bien compté, on, doit, on a donc 8 valeurs ici plus petites que la médiane, et il doit y en avoir 8 plus grandes que la médiane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ça, ça marche. Donc ici, le 6 qui est là, c'est bien la médiane de la, série, de la série de données qui est là. Alors, ça, ça va être un des premiers éléments de la, de la boîte à moustaches. Ensuite, ce qu'il faut dans une boîte à moustaches, on doit avoir l'étendue, hein, donc la plus grande valeur, la plus petite valeur. Donc ici, ça c'est la plus petite valeur, et ça c'est la plus grande valeur. Et puis la médiane qu'on vient de trouver, et on doit aussi trouver le premier quartile et le troisième quartile. Alors le premier quartile, c'est la valeur qui va partager la, 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 la série de données en deux parties. Une qui va être 25, de 25%, un quart des données, et la deuxième partie, trois quarts des données. Et pour le troisième quartile, ça va être l'inverse. Il va y avoir trois quarts des données qui vont être plus petites que le troisième quartile, et un quart qui vont être plus grandes que le, deuxième, que le troisième quartile. Pardon. Et en fait, pour faire ça, le plus simple, c'est de se dire que le premier quartile, c'est la médiane de cette série de données qui est là. Je vais essayer maintenant de, de prendre cette série de données-là et de trouver la médiane de cette série de données. Donc si je trouve la médiane de cette série qui est ici, en fait j'enlève la médiane, j'enlève la médiane de notre série de données. Donc j'ai deux séries plus petites, celle-là et celle-là. Euh, et la médiane de cette, petite, de cette série extraite ici, ça va être le premier quartile. Et la médiane de cette série-là... C'est la série supérieure, disons, ça va être le troisième quartile. Alors, je vais essayer de calculer la médiane de cette, euh, cette série-là, donc le premier quartile. Alors là, il y a 8 données. Donc, comme il y a 8 données, il n'y a pas de valeur médiane précisément dans les données. Par contre, on va prendre la moyenne arithmétique des deux valeurs centrales, hein, les deux valeurs du milieu, c'est ce 2 et ce 3. Quand on regarde ces deux valeurs-là, effectivement, il y a trois valeurs plus petites et trois valeurs plus grandes. On va prendre la moyenne arithmétique de, de ces deux valeurs-là. Donc, c'est le milieu. Hein, c'est 2 plus 3 divisé par 2. Ça, ça fait 2,5. Et ça, c'est le premier quartile, Q1. Voilà. Et de la même manière, je vais calculer la médiane de cette deuxième série qui est ici. Et comme elle a 8 valeurs, on est exactement dans le même cas, il y a 8 valeurs aussi. Donc, c'est forcément... Alors, on a ces deux valeurs du milieu, et il va falloir calculer la, la moyenne arithmétique. Donc, la moyenne arithmétique, c'est 11 plus 14 divisé par 2. 11 plus 14, ça fait 25. 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc, ça, c'est 12,5. C'est le troisième quartile Q3. Voilà. Alors, ensuite, on avait vu qu'il y avait les deux valeurs extrêmes 1 et 22. Donc l'étendue, on peut calculer l'étendue. L'étendue, c'est 22, la plus grande valeur, moins la plus petite valeur. C'est 22 moins 1, donc ça fait 21. Alors, maintenant on va tracer cette boîte à moustache. Alors, très souvent, on les fait horizontal, mais on peut très bien les faire à la verticale, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Alors, donc, je vais tracer une échelle, donc, voilà. Et là, du coup, je vais noter... alors on va partir de 0 en bas par exemple, ici. Et puis, alors les, les plus, la plus grande des données, c'est 22. Donc on va dire que ça c'est 10. Et ça, c'est 20. Voilà. Donc ça c'est 5, 10, 15, 20. Donc si je continue un peu, ici j'ai... Euh, il faut que j'aille jusqu'à 22, donc ça c'est 22,5, donc 22 c'est là hein, à peu près. Voilà. Alors maintenant je vais me servir de cette échelle pour placer toutes les valeurs que j'ai déterminées ici. Donc il y a d'abord, je vais prendre la plus petite valeur, je vais la mettre en vert. C'est 1, donc ici c'est ça c'est 2,5, donc ça c'est 2, voilà 1 c'est à peu près ici. 1 c'est à peu près ici. Donc là j'ai la plus petite valeur, donc ça va être l'extrémité de la moustache du bas. Voilà. Et je vais placer la plus grande valeur qui est 22. J'avais déjà placé. Donc là, ça, ça me donne l'extrémité de la moustache du haut. Hein. C'est pour ça que très souvent, on la met plutôt à l'horizontale, parce que ça ressemble plus à une boîte à moustache, hein, du coup. Là, alors que là, à la verticale, ça ne fait pas exactement le même effet, mais bon, c'est exactement la même chose. Donc ce que je sais en tout cas c'est que euh, mes valeurs elles vont se répartir entre cette valeur là et cette valeur là donc je vais, faire un, je vais le faire proprement hein. voilà, hop, je vais faire un trait droit. Je vais placer les trois autres indications que j'ai, c'est-à-dire les deux quartiles et la médiane. Alors le premier quartile en bleu c'est 2,5 donc 2,5 c'est ici donc ça c'est Q1 Q1 qui est ici. Et puis la médiane, alors j'avais utilisé du violet, la médiane c'est 6, donc ça c'est 7,5, 7 est là, donc 6 c'est à peu près là. Hein. Ça c'est la médiane, on la note souvent ME. Voilà. Ensuite le dernier c'est le troisième quartile qui lui est égal à 12,5, donc 12,5 c'est entre 15 et le milieu de 15 et 10, donc c'est là à peu près. Voilà, donc on a Q3. Alors ici, entre ces deux valeurs, Q3 et Q1, c'est ce qu'on ce qu représente par une boîte. Hein. Donc je vais le représenter, je vais représenter la boîte ici. Voilà. Donc ça, finalement, la boîte ici, en fait, elle représente ces données-là. Hein. C'est les données qui sont situées entre le premier et le troisième quartile. Donc c'est ces données-là. Hein. C'est ça qu'on représente par une boîte. Alors je vais, je vais assurer hein, la boîte, ça c'est la boîte. Donc ça représente 50% des données. Il hein, y a 50% des données qui sont là. La médiane, c'est euh, ce qui va couper, partager les, les données en deux parties de même effectif, hein, de même où il y aura autant de données. Donc ça, ça donne une bonne idée hein. graphiquement. On voit tout de suite euh, comment sont réparties les données autour de la médiane. Hein. Il y en a une certain, un certain nombre qui sont ici entre le premier et le troisième quartile. Ça, ça fait 50% des données. Et puis il y en a d'autres qui sont euh, plus loin. Qui ça, c'est ce qui est donné par l'étendue, donc par les deux moustaches de la boîte à moustaches. Voilà, c'est vraiment un outil visuel pour euh, représenter la dispersion des données autour de la médiane.